On va faire la une comme 100 kilos de shit. Flo Pavarotti, Rolls Royce garé dans le parking. Toc toc, c'est un home jacking. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue codage. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui font la rentrée, les potos, je vous souhaite une bonne rentrée. Donc on se retrouve pour une vidéo de tenue codage. Il y a trois tenues en codage. Il y a une première tenue, une tenue violette, avec le haut de vol violet, le gilet des boueurs, la plaque, le badge, les gants et les chaussures de tronc. Une deuxième tenue, on va dire, je vais l'appeler la tenue verte, avec le haut de baseball, les stickers, les gants, le pantalon de vol vert, le stéthoscope et les chaussures de tronc. Et une troisième tenue orange, avec un jogger qu'il faudra récupérer dans une activité. Dans la description, je vous mettrai le lien d'une activité social club pour pouvoir récupérer le jogger orange et le violet. Donc la orange, il y a un haut de vol orange, le jogger, les chaussures de tronc, les gants, le badge, la plaque et la ceinture de police. Pour faire les codages, il nous faut avoir un personnage principal, un personnage masculin et en secondaire un personnage féminin. On va transférer les codages du second personnage féminin sur le premier personnage. Ça ne fonctionnera pas du premier personnage sur le second personnage. Donc à partir du moment qu'on est prêt à faire les codages, on va prendre le second personnage, le personnage féminin, se rendre dans un magasin de vêtements. Donc moi j'ai fait la méthode sans perdre de tenue. J'ai quelques tenues sur le personnage féminin et j'ai aussi des emplacements vides. Après vous, vous faites la méthode que vous avez l'habitude de faire pour faire vos codages. Donc il nous faut avoir 3 emplacements vides pour chaque tenue. Donc à partir de là, je vais faire la première tenue, ça sera la tenue violette, cette tenue là. Pour faire cette tenue là, je vais commencer par faire d'abord le badge et la plaque. Donc pour faire le badge et la plaque, je me rends dans les pantalons de sport et je vais mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1. Comme ça, grâce à ce pantalon, je vais pouvoir aller dans l'activité avec un jogger et ça me transférera le jogger sur la tenue. Puis je vais au vêtement du haut sur l'onglet débardeur et je vais mettre le débardeur, la brassière blanc cassé numéro 95/99. Puis de là, je vais aller aux accessoires. Je vais rajouter la paire de gants blanc et vert renforcé numéro 2. Puis je vais au collier. Je vais mettre le collier petite perle blanche numéro 11. Et le collier avec le débardeur va me donner la plaque et le badge IAA. Je sauvegarde la tenue, par exemple, sur le premier emplacement vide. Puis je vais faire la deuxième tenue pour avoir le haut de vol violet. Je vais dans les par-dessus. Et je vais mettre le par-dessus pêche numéro 44/62, celui-là. C'est pour avoir le haut de vol violet. Une fois qu'on a mis le par-dessus, il va falloir mettre la capuche. Si on ne met pas la capuche, ça va nous donner un autre codage. Ça ne va pas nous donner le haut de vol. Donc on met la capuche. De là, je vais aller aux accessoires. Je vais rajouter la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 40/44. Puis je vais aller aux chaussures. Pour avoir les bottes de tronc orange, je vais à bottes de motard et je vais mettre les bottes ouvertes chocolat numéro 22/32. Et de là, je vais sauvegarder la tenue juste après la première tenue qui me donne le badge. Donc la première tenue que j'ai faite, c'est pour avoir le badge, et celle-là, c'est pour avoir le haut de vol violet. Donc je retourne au vêtement du haut pour faire le gilet des boueurs. Je vais sur l'onglet blouson de cuir et je vais mettre le blouson de cuir cramoisi numéro 85/97. Puis je vais sur l'onglet des t-shirts rentrés et je vais mettre le t-shirt rentré noir classique numéro 11/92. Donc on garde la paire de boucles d'oreilles, les gants et les chaussures, on sauvegarde la tenue une derrière l'autre, que les tenues se suivent. Donc les trois tenues que j'ai faites, c'est pour faire la tenue violette. Là je vais faire la deuxième tenue, la tenue verte je vais faire. Donc pour faire la tenue verte, je vais d'abord au pantalon, sur l'onglet salopette, et je vais mettre la salopette bleu pixel numéro 36/36. Cette salopette va me donner le pantalon de vol vert. Puis je vais au vêtement du haut, sur l'onglet t-shirt trafic d'armes, et je vais mettre le t-shirt
Trafic d'armes bleu pixel numéro 60, le dernier de la liste. Puis de là, je vais aux accessoires. Donc, on rajoute la paire de gants blanc et vert renforcés. Puis on va collier, on rajoute le collier petite perle blanche numéro 11. Le t-shirt trafic d'armes et le collier va nous donner le stéthoscope. Et le pantalon, la salopette, va donner le pantalon de vol vert. Donc je vais aux chaussures. Pour avoir les chaussures de tronc vert, je vais mettre les bottes ouvertes brun rouge numéro 23 sur 32. Donc ça c'est la première tenue pour faire la tenue verte. Je vais sauvegarder la tenue. Donc ça c'est pour avoir le pantalon de vol vert avec le stéthoscope. Il va me falloir le haut. Donc pour faire le haut, je vais au pantalon, je vais mettre un pantalon de sport ample léopard numéro 1. Puis de là, je vais aux vêtements du haut sur l'onglet polo. Et on va mettre le polo Liberty bleu marine numéro 19 sur 38. Puis on va aux accessoires. On rajoute les gants blanc et vert renforcés, puis on rajoute la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 40. Comme ça, on va pouvoir transférer le stéthoscope sur cette tenue-là. Et je sauvegarde la tenue juste après l'autre. Que les tenues se suivent, les poteaux. Donc maintenant, il me reste à faire les stickers. Donc de là, je vais aller aux vêtements du haut. Sur l'onglet polo rentrée, et je vais mettre le polo rentrée Liberty à rayures numéro 14, et je rajoute le logo du crew sur le polo. Ça va me donner des stickers, et je sauvegarde la tenue. Faut que les tenues se suivent. Donc ça c'est la dernière tenue pour faire la tenue verte. Ça va me donner les logos. Donc là il me reste la dernière tenue à faire, la tenue orange. La tenue orange aussi, elle se fait en trois tenues. Donc pour faire la tenue orange, on va commencer par faire la tenue qui va nous donner la plaque et le badia. On va dans les pantalons, pantalon de sport, et on met le pantalon de sport ample léopard. Puis on va dans les vêtements du haut sur l'onglet des débardeurs, et on va mettre la brasière blanc cassé numéro 95 sur 99. Puis je vais aux chaussures sur l'onglet des bottes, et je vais mettre les bottes de motard ouvertes chocolat numéro 21 sur 32. Puis je vais aller aux accessoires, on met les gants blanc et vert renforcés, puis on met le collier petite perle blanche numéro 11. Et je sauvegarde la tenue. Donc cette tenue va me donner la plaque et le badge pour la tenue orange. Donc je vais faire la deuxième tenue qui va me donner le haut de vol orange. Je vais dans les vêtements du haut par-dessus, et je vais mettre le par-dessus fermé forêt numéro 47 sur 62. Une fois qu'on a mis le par-dessus, il va falloir rajouter la capuche. Pavé tactile, style, on descend en bas et on rajoute la capuche. On va aux accessoires, boucle d'oreille, et on rajoute la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 40. Des chaussures, on va aux bottes de motard et on met les bottes ouvertes chocolat numéro 21 sur 32. On a les gants blanc et vert renforcés, et je vais sauvegarder la tenue. Il me reste une dernière tenue à faire, c'est la ceinture de police pour la tenue orange. Donc je vais dans les vêtements du haut, veste de travail, et je vais mettre la veste de travail sombre, forêt, fermée, numéro 36 sur 46. Puis je vais à t-shirt trafic d'armes, et je rajoute le t-shirt trafic d'armes bleu pixel numéro 60, c'est le dernier de la liste. Je garde les gants, la paire de boucles d'oreilles, et je sauvegarde la tenue. Donc là, j'ai fait 9 tenues, c'est pour faire les 3 tenues. La tenue violette, elle se fait en 3 tenues, la tenue verte en 3 tenues, et la tenue orange en 3 tenues. Donc à partir de là, pavé tactile style, on change de tenue, on provoque une sauvegarde. Une fois qu'on a eu le rond de sauvegarde, on range en bas à droite, option en ligne, on va dans l'éditeur créer une course. Course, course terrestre. Information de course, on met un titre, une description, on prend une capture, on descend sur type de parcours, on met parcours, on fait rond, placer la zone d'activation, on place la zone, on fait rond, caméra du salon, on prend une capture, placer les points de passage,
et on crée une course de minimum 1 km. Une fois que c'est fait, on la teste, on passe le point d'arrivée, puis on fait option en ligne, choisir le personnage, et là on va supprimer le second personnage, le personnage féminin. Je supprime le second personnage, le personnage féminin. Les personnages réapparaissent. Quand je peux faire orange, je fais orange. Ça m'envoie une histoire. Une fois une histoire, option en ligne, rejoindre les sessions sur invitation. Et là, ça m'a transféré des codages. Donc à partir de là, je vais récupérer la première tenue. C'est la tenue violette. Pour récupérer la tenue violette, il va falloir d'abord que j'aille récupérer un jogger dans une activité. Dans la description, je vous mets le lien d'une activité social club pour récupérer le jogger violet et le orange. Donc j'ai récupéré le jogger violet, je rajoute un maillot de course pour avoir les gants de couleur. Et de là, je vais dans l'activité, le point G, récupérer la première tenue. Une fois dans l'activité pour récupérer la première tenue, je fais 3 fois flèche droite. Pour chaque tenue qu'on va récupérer, il faudra faire 3 fois flèche droite pour avoir la tenue au complet. Donc je récupère la première tenue, la tenue violette. Une fois dans l'activité, je me rends dans un appartement, je vais à la penderie et je sauvegarde la tenue. Donc voilà les potos, je vais vous laisser avec la fin du gameplay. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !